Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Médéris. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pikmin. Donc la dernière fois nous avions récupéré, au dernier moment les Pikmin jaunes. Et donc aujourd'hui nous allons faire grandir un peu la population parce qu'à mon avis on en aura besoin pour aller dans la grotte que nous avions vue la dernière fois aussi. Et une fois qu'on aura une population assez développée, disons, eh bien nous irons explorer cette grotte justement. Ça va pas durer longtemps, plus je crois que j'ai des souvenirs horribles là. Ah mon dieu, pourquoi je fais ça? Ah, on va laisser un rocao, j'ai trop peur. Oh, je suis en train de mourir. Je sais pas ce que j'ai. Il y a toujours pas l'araignée, tout va bien? Oh non, mais je sais pas si vous imaginez à quel point je suis en stress, vraiment, c'est un truc qui me panique, cette araignée, un de ces quatre. Et c'est inéluctable en plus, hein. Et puis elle spawn comme ça sans raison. On sait pas, genre on avance tranquille. Puis pouf, ce jour-ci, ils avaient décidé qu'il y avait l'araignée. Allez, et allez. Non mais sérieusement, mais. On n'arrive même pas à battre une feuille. Mais je vais devenir fada, je vous dis. Ok, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va attaquer et on les donnera que aux jeunes. Voilà. Là, je voulais faire attaquer que les jeunes, mais non. On va pas faire comme ça. On va les surveiller, voilà. Bon, là, vous ne prenez pas déjà. Ce sont les Pikmin qui le suivaient. Tu me les as pas noyés, j'espère. Hein. Non ! Si, c'est bon, pardon. J'ai cru qu'ils portaient le cadavre. Tout va bien. Excusez-moi, continuez à le massacrer. Il n'y a pas de problème. Alors là, par contre, c'est vraiment. Qu'on puisse pas choisir la catégorie de Pikmin qu'on veut. Dans Pikmin 3, c'est beaucoup plus pratique. Mais du coup, on a perdu un cadavre de feuille, hein, définitivement. Hein. C'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais en fait, si Louis, tu vas rester là, tu sais quoi. Tu me ramèneras les Pikmin jaunes quand ils auront fini d'aller à l'autre bout du monde là-bas. Non, c'est mort, on va pas y aller. Je suis bête, pourquoi je passe par là? On va faire le tour par l'autre côté, ce sera plus facile. Ce sera beaucoup plus facile. Ok, ok, Louis, voyons. Je vais te demander d'aller au vaisseau. C'est pas pratique de pas pouvoir le diriger. C'est vrai que c'était une idée de Jenny dans Pikmin 3 Ah, voilà, il avait pris lui-même la feuille, je savais bien. De pouvoir nous permettre de contrôler un. Enfin, de faire notre vie et de demander à un des personnages d'aller à un endroit. C'est vraiment pratique, ça. Mais bon, en même temps, voilà, Pikmin 3, c'est pas non plus la réussite du siècle. Et c'est pour ça que j'ai voulu, comme je vous ai expliqué, commencer par faire un premier épisode sur Pikmin 2. Et éventuellement, si après, vous avez envie qu'on aille sur Pikmin 3, eh bien, nous irons sur Pikmin 3, y a pas de problème. Y a pas de problème, y a personne, c'est bon. Y a pas les insectes de la dernière fois, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous traînez? Allez, dépêchez! Ah, je vais mettre. C'est vrai qu'à présent, nous allons pouvoir récupérer les trucs qui étaient en hauteur. Est-ce que vous êtes assez? Je crois pas. Hein. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est pour la bonne nouvelle. Comment je fais déjà pour les balancer tout en haut? D'accord. Hop. Ah, presque! On y croit! Là? Non, trop près. Ah, yeah! Allez! Il en manque 5! Ah non! C'était tellement prévisible en plus. J'espère qu'ils m'ont laissé les fleurs. Oh oui, c'est bon, ils m'ont laissé les fleurs. Tout va bien. J'avais peur que, vu que c'était pas le même jour, qu'ils me les aient. Je sais pas, qu'ils me les aient enlevés. Bref, c'est vrai que c'était un peu débile peut-être. Excusez-moi, je sais pas, je fais des bruits bizarres. Je meuble, écoutez. 6. Non, alors. Non, c'est bon, très bien. Oh là là, pour une fois, ils ont fait un truc intelligent. En attendant, avec les rouges, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Hein. C'est vrai que voilà, l'inconvénient peut-être dans Pikmin, c'est ces petits moments. Ah si, bah, je vais les mettre sur les plantes, je suis bête. Vous n'avez pas le droit de répondre. D'accord? C'est clair ou pas? Ok, donc cet épisode devrait paraître pendant les vacances, donc je vous souhaite bonnes vacances. Personnellement, je vais travailler avec mes parents, puisque c'est la Toussaint et que je vends des fleurs. Et donc voilà, je vais vendre donc des chrysanthèmes. Voilà, c'était pour ma petite vie passionnante. Il va falloir que j'emmène donc
des Pikmin ici afin que les Pikmin jaunes cassent ensuite ce pont. Après, ils casseront le machin là, ça enlèvera l'eau et on pourra aller dans cette horrible grotte. D'ailleurs, c'est dans cette zone qu'existe la pire grotte du monde. Il faudrait que limite cette grotte, mais genre, il me faudra 2 ou 3 épisodes pour la faire. Déjà, il faut que j'arrive à pas mourir de peur entre temps dans un épisode. Ce qui est quelque chose de plutôt compliqué. Parce que vous allez voir que c'est juste l'enfer. D'accord. Est-ce que... Ok, il n'y a pas un seul jaune qui est arrivé. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle, évidemment. Où sont-ils? Ah, mais ça arrive, c'est bon. J'ai rien dit. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, le rouge? Tu pouvais pas le laisser tranquille, non? D'accord, ça va. Donc, comme ils sont 5 partout, ça fait que... Alors, voilà. Peut-être un point intéressant à expliquer. Je vous explique. Si jamais sur une pépite où il faut 10 Pikmin pour la porter, il y en a, admettons, 7 jaunes et 3 rouges. Et bien, puisque les jaunes sont plus nombreux, la pépite ira au jaune. Même si la pépite n'est pas jaune, d'accord? On s'en fout de ça. Néanmoins, si jamais, toujours sur une pépite de 10, il y a 10 Pikmin rouges et... 5 Pikmin rouges, pardon, et 5 Pikmin jaunes, alors, quelle que soit la couleur de la pastille ira aux Pikmin qui sont les moins nombreux. Admettons que voilà. Donc il y a 5 rouges, 5 jaunes. S'il y a 50 jaunes et 120 rouges, bah du coup, la pépite ira aux Pikmin jaunes. Puisqu'ils sont moins. Excusez-moi, j'étais déjà perdue là, j'étais en mode où est-ce qu'ils sont mes Pikmin. Donc voilà, ça ira à la population la moins nombreuse. C'est bon? C'était clair ou pas? Parce que des fois je suis pas super claire. D'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal que, que le dernier épisode ait pas fonctionné parce que. Enfin. L'avant-dernier du coup, quand vous regarderez celui-ci. Parce que j'avais essayé d'expliquer un truc, je sais plus quoi, oui, comment je faisais pour. Record mes épisodes, le montage et tout et tout, le temps que ça me prenait. C'était pas clair ce que je racontais, franchement. faut que je prenne des cours d'expression. Oui, j'en ai déjà. Chut, on sautait. mais on fait pas ça en expression. On fait des exposés sur les causes, des choses comme ça. C'est pas très passionnant. Bref, arrêtons de parler de cours et parlons plutôt de jeux vidéo. Vous allez peut-être être déçus, mais je pense attendre. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je sais pertinemment que je n'achèterai pas Super Smash Bros. Dès sa sortie et que j'attendrai Noël pour l'avoir. Parce que j'ai acheté pas mal de jeux hein, ces derniers temps et que j'ai donc plus beaucoup d'argent. Néanmoins, j'ai des amis aussi passionnés de jeux vidéo que moi, et l'un d'eux va prendre Super Smash Bros. Et je pense donc lui demander s'il voudrait pas par hasard me prêter le jeu pour 1 ou 2 épisodes, et histoire que je vous présente un petit peu ça. Puisque même si c'est pas mon jeu favori, et bien c'est un jeu que j'apprécie tout de même, et auquel j'avais joué précédemment, enfin pas sur Wii U évidemment, mais sur Wii et tout et tout. Et donc je pense que nombre d'entre vous sont intéressés par ce... Et voilà. Non, alors non, vous remettez toute ma théorie en cause. Pourquoi est-ce que c'est les rouges qui le prendraient? Hein? Alors qu'il y a 3 fois moins de rouges que de... 3 fois plus de rouges que de jaunes. Je comprends pas. Pourtant c'est ce qui est marqué dans le livre et... Ah très bien, la verrue est déjà réapparue en 2 minutes. C'est génial. C'est superbe. Bon, écoutez, je crois qu'on va laisser ces chers Pikmin apporter leur machin là, leur vaisseau. Et que nous, ensuite, dès qu'ils auront fait ça, on ira à la grotte. D'ailleurs, j'espère que je me suis pas trompée et que la grotte requérait bien des Pikmin jaunes, histoire qu'on n'ait pas attendu 2 épisodes pour aller à la grotte et qu'au final, en fait, il en fallait pas. Parce que je serais vraiment deg. On va voir ça tout de suite. Ah, mes senseurs émettent des signaux inquiétants. J'ai bien peur que ces signaux indiquent que ce trou est infesté d'insectes impitoyables. Des bêtes vicieuses et agressives. Un endroit plutôt charmant, donc. Si jamais vous savez pas quoi faire pendant les vacances, je vous invite à visiter ce magnifique trou. D'accord, il fallait bel et bien à la fois des Pikmin feu et des Pikmin électriques. Je suis
Je suis soulagée. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, vous traînez. Ça m'énerve. Évidemment, je ne parle pas naturellement avec cette voix-là. Ce serait totalement immonde. J'en conviens complètement. D'accord. Nein ! Il y en a combien qui sont ? Il y a une petite dizaine là, ouais. Bah, en même temps, c'était une petite de 10, vous allez me dire. Chut. C'est pas grave. Je vous dis, là, je suis pas extrêmement concentrée. Il fait super chaud dans mon appart. Déjà, il fait super chaud de base pour la saison. Et dans mon appart, ça arrange vraiment pas les choses. D'accord. Mais purée, il y a des baies. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites rien. Rien. Ah, vous le faites bien, c'est sûr. Hein. Ah, on peut aussi récupérer le décapsuleur. Eh bien non. Eh bien non. Moi, je pense que nous allons aller en priorité dans la grotte. J'ai combien de Pikmin jaunes ? 25. Ah là 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 là. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. Non, je préfère pas y aller cette fois-ci. Ils sont pas assez nombreux. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va aller prendre le décapsuleur, aller commencer à ouvrir la barrière. Mais la vraie question que je me pose actuellement, c'est est-ce que je fais une journée de repro en off afin que la prochaine fois qu'on fera un épisode, eh bien, on démarre direct sur la grotte, ou est-ce que je fais l'épisode repro en direct? Enfin, en direct. Que ce sera un épisode que je vous publie, quoi. Je ne sais pas, je sais pas du tout. Ah non, me dites pas que je vous ai tous rappelés. C'est bon, très bien. Je sais pas. Eh bien, dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voulez voir cette journée de repos ou est-ce que ça vous intéresse pas? Est-ce que j'aurais le moyen autrement de faire sans faire une journée entière de repos? Je sais pas. Pikmin est un jeu imprévisible, vous voyez. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas le jeu le plus évident. Bien sûr, c'est pas du tout le plus compliqué. Donc, pour en revenir à notre sujet du moment, Pokémon. Ceux qui font des épisodes sur Pokémon sont vraiment... En fait, c'est vrai que je me suis pas encore trop penchée sur la question. Faudrait que je regarde un épisode d'un jour pour voir comment gérer ça. Mais je pense que ça doit être un peu compliqué avec le level up et tout et tout. 50, purée, ça rapporte rien. Destructeur de fléau. Donc, en fait, un nouveau boîte, ça nous rapporte 50. Alors qu'une capsule, ça rapporte 100. On vit clairement pas sur la même planète. Hein. Pourtant, c'est la planète Terre ici, il paraît, mais... Mais ils sont un petit peu allumés quand même ici. Hein. Bref. On se bat avec des trucs mi-plante, mi-carotte. Est-ce qu'on peut encore se poser des questions par rapport à la valeur des objets? Je ne crois pas. Je crois pas, je crois que c'est encore plus bête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir les machins. Oh là là, mais il y en a des partout des portails. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire en la vidéo, mais ça va être super compliqué. Là, je suis sûre qu'il y en a les trois quarts, ils vont tomber dans l'eau. Voilà. Mais t'as qu'à pas être si loin aussi. Tu nous retardes, voyons. Déjà qu'on est limite, alors... Non mais ouais, je sais pas. C'est bon, personne n'est mort. Bon, en fait, on n'a pas le temps. Dégagez, tant pis les feuilles si elles se perdent. Hein. Moi, j'y peux rien. Ouais, non, mais laissez tomber. On aura même pas le temps d'ouvrir le machin. C'est une petite tentative, mais ouais, non, ça servira à rien. En plus, vous voyez, c'est super étroit. Ah, attendez. Non, c'est bon. Ça, ils vont tomber. J'allais éternuer, j'ai cru, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc voilà. Wouh! Ça a été un petit peu le. Un petit peu le gros bordel cet épisode quand même. Hein. J'ai tout le monde 30, très bien. On va aller direct au coucher du soleil, on va pas attendre la fin du décompte. Oui. Allez, tout le monde rentre. C'est l'heure de se coucher. Oh, waouh, il y avait du monstre ce soir. C'est dommage qu'elle brûle pas les grenouilles. On aurait pu faire un petit barbecue, quelque chose de sympa quoi. Oh, j'ai jamais mangé de grenouille. Je sais pas si c'est bon. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous... Oula, on a gagné un petit mine rouge. D'accord. Est-ce que vous avez déjà mangé des grenouilles? Quel goût ça? Eh bien voilà, je vous le demande. Hé, hey, papa! Maman, il te faut de joie parce que tu as eu une promotion, donc tu commandes un tas de gens, hein. Maintenant, c'est toi le plus grand capitaine de la planète.
Oh, c'est mignon. Ok, très bien. Eh bien, j'espère que cet épisode plus que bordélique vous aura tout de même plu. Et je crois que je vais faire un épisode de repro toute seule en off. Hein. Ce sera plus pratique. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.